Bonsoir YouTube, nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy. C'est l'épisode 4, si tout va bien. Oh, n'importe quelle Attends, il y a un écriture. truc là déjà, ça m'a. Est-ce que t'as réussi à retrouver mon journal et mes autres livres? Mais c'est qui celle-là? Je la connais, elle? Cressida. Alors, petite info avant ça. Waouh! La dernière fois. Enfin, la dernière fois. Oui, il y a un jour là. J'ai fait une petite demi-heure de jeu comme ça, sans Tu peux record. me rappeler ce que je devais faire pour t'aider? J'ai besoin que quelqu'un récupère les 5 livres qui volent dans la Ah ouais, bibliothèque. c'est ça, ça. Non. Attends, casse-toi. Ouais, super. Oui, c'est elle. Attends, bah, je vais le faire tout de suite, comme ça sera fini là. Je suis pas à côté de la bibliothèque? Si, c'est ça. Et du coup, j'ai fait une petite demi-heure comme ça d'exploration sans record. Donc ne vous inquiétez pas, je n'ai pas du tout avancé dans l'histoire, hein, c'est pas mon genre. Mais j'ai. Réveil! Réveillon. J'ai. Action. Ce doit être le journal de Cressida. C'est quoi? Faut lire Moi aussi, ça? je voudrais le récupérer si Oh j'étais elle. non! Oh, fais pause, hein, si tu veux lire. Il y a encore du haddock fumé au dîner. Je commence à m'y faire avec le temps. Mais je préfère quand même la tourte à la viande. La tourte à la viande. Et donc, le jeu m'avait pas trop convaincu. Je sentais que c'était un peu lent, tout ça. C'est pas toujours très très bien rythmé ou écrit, du moins. Et en fait, jouer en chillax en mode exploration, tout ça, bah, c'est quand même hyper satisfaisant. Donc aujourd'hui, je te propose, YouTube, qu'on n'avance pas du tout dans l'histoire, parce que je suis très doué pour ça, en temps normal. Et que, on va explorer un petit peu. Par contre, juste. Attends. Réveillon. Vas-y, tu veux pas les livres de Micheline là? Oui, un papelard. Un papelard. La lecture peut être tout aussi magique que n'importe quel sortilège. Panier scribe. Pourquoi les élèves ne le voient pas? Il est là, le papillon. Là, là, là. Action. Je l'ai vu. Réveillon. Revelio. Il a fait gling. Ah, là-bas, là-bas. Je peux d'aussi loin ou pas? Attention. 3, 2, 1. Action. Eh oui, c'est beau. Le livre de Cressida. Ah super, ça nous fait pas lire en plus. Ils ont bien vu qu'on en avait rien à. Rien à branler, là. Donc, déjà, on commence très fort, tu vois, niveau emmerdement, là. On est très bien, on récupère des pages qui intéressent qui? Personne. Hein. Réveillon. Pourquoi j'ai bugué devant son tableau? J'ai l'impression que j'étais en train de dire un truc et que je me suis coupé au milieu et que je finis pas. Mais ça me revient pas. Désolé YouTube, hein. J'ai un cerveau malade. Oh là là! Action. Viens! Je vais te choper! Je sais où tu te caches! Il est où? Il était là, hein? Réveillon. On l'a tous vu, il était là! Ah bah il est là le tableau. Lumos. Et du coup là, papillon de lumière, elle est de l'autre côté évidemment. Regarde ça, j'ai l'air trop intelligent en me baladant avec ma lumière là. Papillon, viens, je te ramène à la maison. Si j'arrive à ne pas rentrer. Pousse-toi la vieille! Merci. Alors. Et là. Qu'est-ce qu'il me donne? Du PQ. C'était pas le. Attends, par contre, il est passé où le livre de Cressida là? La lecture peut être tout aussi magique que n'importe quel sortilège. Pourquoi les élèves ne le voient-ils pas? Pourquoi tu me parles? Ils sont vraiment seuls à ce point. Ah là voilà! Action. C'est le dernier livre. Je devrais les rapporter à Cressida. Ok, comme ça, on est débarrassé d'elle, Quoi? là. Oh là là. Oula, oula, oula. Je suis allé un peu trop vite pour le jeu, je crois. Et ça, c'est quoi? Pourquoi il y a un truc comme ça? Bon, tant pis. Tant pis! Si je l'ai dit. Ah oui, j'ai pas commencé par ma petite chanson, Professeur Black. Puis je vous suggérais d'interdire la magie au sein de la bibliothèque. Ah oui, c'est super. C'était où la porte? C'est où la sortie? À l'aide. Réveillon. Je veux sortir d'ici.
Au secours, je suis une célébrité. Sortez-moi de là. Très très grande mission. Non mais est-ce qu'on a vraiment envie d'aller? Non, non, on va pas faire ça. On avait déjà fait une mission dedans, c'est bon, on connaît. Hein. On connaît. Par contre, il est où ce putain d'escalier? Ah là, voilà. Aveuglement. Oui, la dernière fois, je m'étais rendu compte qu'en fait, j'avais pas fait le dernier acte de ma mission, de ma quête principale. Du coup, on va faire ça, et après, on va se balader pompelope. Petit plan. Petit plan, patapon. Voilà, faisons cela. Ah, petit chargement, là. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baf-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Trop envie de jouer aux baf-boules. Qui c'est qui fait des petits bruits comme ça, là, en pleine nuit? Pas de fornication dans les couloirs, hein. J'en peux plus de cette zik, par contre. Ils auraient pu en mettre 3 ou 4, quoi. Peur de rien. Hein. Donc. Oh, coffru. Coffru. Là. Voilà. Ah oui, j'ai aussi vendu des trucs parce que vous savez, mon inventaire était toujours plein là. Du coup, j'ai vendu des trucs. Mais ça, c'est un incendio qu'il faut faire là. J'avais pas déjà fait la dernière vidéo ça. Incendio. C'était. Ouais, c'est bien ça, c'était ridicule. Hein. On est tous d'accord avec ça. Chargement encore. Putain, mais décidément, hein. Oh. Qu'est-ce que ça doit être sur Switch, hein. Ah bah non. Si. C'est une nouvelle quête ou c'est la suite de l'autre? Tom et Tribulation. Ouais, qui s'appelait Fig. Et les hasards, d'ailleurs. Hein? Hein? Oh, c'est hyper anxiogène! Attends, c'est horrible. Vous avez vu, il y a un décompte de la mort avec des lumières rouges et tout. Bonjour, monsieur. C'est pas sérieux. Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde. Je peux lui parler? C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Je dois te parler. Inhabituel? C'est inconcevable. J'ai envie de faire pipi, non, dépêche-toi. Vig, vous avez de la Est-ce que je peux te parler? Je vais voir ce que je peux trouver. J'ai quelque chose à te dire. Monsieur, ah, j'ai merci. Fouillé la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. D'accord. Quoi? C'est quoi? Une minute. Je vais accéder à la réserve. Comment? Comment? En réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sur la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Il parle de quoi, là? Pas suivi. Ah, du livre. Oh. Ah, comme il tourne page comme un vieux, quoi. Non. Oui, c'est. Certaines pages semblent être manquantes. Oh, oh. C'est le genre de mec qui utilise un téléphone, il le pose sur sa table, il fait comme ça. Bien. C'est une personne dépassée par son temps. Sur ce qu'il en reste. Heureusement, ils n'ont pas de téléphone portable. Pourrons-nous retirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pancine dans la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné. Ah, Gandalf. Dans mon premier souvenir, celui il était qui a enseigné le pouvoir de la Bretagne. Et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Sauf si c'est les pages qui manquent. Hein. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Que comptez-vous leur dire? Vous leur dire au sujet de la mort de Monsieur Osric? J'ignore ce que je peux en dire. On sait pas s'il est mort. Georges a essayé de convaincre le ministère au sujet de Ranrock. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Bien sûr. Je comprends. Bien sûr. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement en cours de botanique et de potions.
La magie ne se limite pas au sortilège. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. Devoir s'occuper des mandragores. Que vous aurez accompli à mon retour. Savez-vous ce qu'est qu'une mandragore, vos amis? La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre. Allez, salut. Bon, baladonne-nous dehors, dans la forêt, tout ça. Là. Attends, je peux me TP peut-être. Vous avez vu, j'ai débloqué des points de voyage rapide, tout ça. Par où est-ce qu'on pourrait aller? Non, pas ça. Ah, mais attendez, il y avait Nadine à côté de moi, là, je pouvais lui rendre ses livres. Faut que j'aille où? Je sais plus comment on fait. Oh, j'ai l'air d'un con là tout de suite. Salle de sortilège. Devant la bibliothèque là, c'est où? Toujours pas. Non mais c'est. Attends. I'm just a bouffon. L'aile du clocher, la grande salle. L'annexe de la bibliothèque. La grande salle, hein. Super. C'est toutes les mêmes trucs. Attends, ah oui, grande salle. Je viens de comprendre le comment marchait le plan. C'est beau, hein? Bibliothèque. Non, hall central. Mais putain, mais je vais... Il est pas intuitif cette carte. J'ai du mal, hein, pour quelqu'un comme moi, c'est compliqué. Comme ça, on va dire... Les gens, ils s'en foutent de moi alors que j'ai plus mon livre. On va la voir, comme ça sera contente. Putain, mais c'est le jeu de l'agro quand même. Hein. Pourquoi il y avait un petit air de gratte là derrière? Ils sont creux dans Red Dead Redemption ou quoi? Gling, gling, gling. Mais putain, mais ils me font tout chier! C'est pas toi? Elle est où, machine? Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Ah là, non? Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner... Bonjour, Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Oh, quel soulagement! Mais c'est quoi ça encore? Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Regarde, c'est comment le jeu nous ruine notre expérience, quoi. Oui, j'ouvre la carte. Ok, sélectionnez le bouton carte du monde. Je fais, parce que j'ai pas le choix. Voici la carte du monde. La majorité couverte de brouillard. Oh, ok. Les hameaux sont une petite communauté que vous trouverez partout dans le monde. Les hameaux? Qu'un polar en bas. D'accord. Hein? Ouais. Ok. On ira à qu'un polar, ce sera l'occasion de se balader. Il me faudrait peut-être une récompense pour faire taire l'existence du... Ah, pour taire l'existence du... Hein? Mais non, tiens... Je vais pas la raqueter en plus, quel connard. Voilà pour toi. Eh bien, ça m'a servi de leçon. Je ne risque plus de travailler mes sortilèges dans la bibliothèque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ce qui a mal tourné. Je devrais peut-être commencer à réviser. Ouais, allez, on abrège, hein, parce que... Heureusement qu'il y a encore des gens honnêtes. Ouais, bah j'ai fait quand même te réclamer de la thune pour ça, mais finalement, la flemme. Alors, donc, ça c'est pour qui ça? Quoi, est-ce qu'on ferait pas un petit cours de botanique quand même? J'ai envie. Hein. J'ai envie là de... S'ils me sortent la mandragore, hein, mission 1, franchement je suis déçu. Parce que je pense qu'il y a plus de choses à faire que ça, quoi. C'était dans Harry Potter 1, faut arrêter. Hein. Avec Neville Londubat. C'est quoi ça? Ah non, c'est une série. On peut dire qu'elle a tenu adaptée à son cours. Hein. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux. Oh, c'est la seule qui est recelée dans ce cours. Chère Lenora. Oh, c'est mignon. Vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Professeur Bulbille. Bulbillezard. Un petit cadeau pour votre tante. Comme ça, sa tante. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans votre jardin. Nous avons tout à savoir. Oh, le petit sourire que j'ai avec mon chapeau et mes lunettes dégueulasses. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement. C'est la prof qui fume des pets entre deux cours et qui est abonnée à Psychologie Magazine. C'est là
C'est elle, c'est professeur Blubby. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Tu m'étonnes. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action. Savez-vous ce qu'est qu'une mandragore? Voulez-vous? Petit compresseur, il faudra un petit compresseur. Ah ouais, des boules qui est-ce? Maintenant, chacun saisit. Parce que moi aussi, j'ai des, ça me fait des bouchons dans les oreilles quand je vais nager. Fermement. Si je mets pas ça. Extrait à mandragore. Oh, c'est agréable. Voilà. Voilà ce que c'est que Twitter, en fait, réellement. Les gens qui gueulent, alors que personne ne veut les entendre, et font chier tout le monde. Heureusement, Elon Musk... Elon Musk alias Tony Stark va remettre de l'ordre dans tout ça, en fait, hein, parce qu'il est trop fort, Elon Musk. Hein. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Ouais, c'est une plante, quoi. Réparo. Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez. Grande comment ? Parle de quoi ? Très beau travail, tout le monde. Oh ! Vous l'avez vu, le moment de solitude, là ? C'était très bref, hein, ça durait 2-3 secondes. Il y a eu une sorte de pseudo-ralenti, ça fait un... Je dois m'entretenir avec l'élève qui vient de... Comme ça. Ah, elle veut déjà me parler. Le polygonome. Oui, professeur. Ça dépend combien de côtés il a. Bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. J'ai failli perdre Louis. Je sais. Un Louis d'or. J'ai failli perdre Louis. L'héritage d'une famille. Le cri d'une mandragore adulte peut être mortel. Alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles. Comme je l'ai mentionné, heureusement, j'ai des cheveux. Nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés magique. Ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines merci, maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, poussez, madame, poussez. Bouquet de chardon étoilé avec des roses. Les propriétés régénérantes du dictame en font. Vas-y, je rempote. Indispensable de la potion Wiganwed. Une plante médicinale dont les feuilles sont plissées. Ah oui. Ah oui, c'est pour nous apprendre à nous refaire notre beau travail. Notre fiole de soins quoi. Le dictame pourra être utilisé dans une potion Wiganwed. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Sharp. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes... Tout vient de Chine, de toute façon. Sans doute une contrefaçon. Hein. En dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts. Ils ont les dents pointues. Comme les gobelins. Je suis censé faire quoi, là? Rejoindre Léandre Prouette et Prouette? Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ta gueule. Ravi de faire ta connaissance. Moi aussi. Au fait, ça c'est vu. Travaille en défense contre les forces du mal. Oui, oui, super. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Non mais casse-toi, il me suit! À l'aide! Il y a un roux qui me suit! C'était beau. Oh. Va-t'en, je te connais pas! J'ai bien failli leur... Nous y sommes. Le royaume... Ah mais c'est le gars de la mission, j'avais pas compris. Pardon, excuse-moi. Non mais pardon, je voulais pas être méchant. Et lui, il faut que je fasse quoi, là? L1, L1. Okay, quoi? Lui, là? L1 pour utiliser... Oh, oh. Regarde ça. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche.
Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnommage, mais pourquoi, tu te sens seul? Pourquoi tu t'adresses à moi? Excuse-moi, mais... Mais pourquoi tu me parles? Bulby a dit qu'il fallait que tu essaies de t'occuper des choux. Oh, il ressemble trop à un Weasley. Ne pas te faire mordre. Rouette. Oh, ce n'est pas vraiment. Tout est pardonné. Finalement, t'es mon bro. Quelques-uns de ces choux mordeurs de Chine. Tu comprendras rapidement d'où ils tiennent leur nom. Putain, je suis fatigué. C'est vicieux, ces petites choses. Oh, j'adore, mais pourquoi ils ont fait un cut pour recommencer un dialogue de mort? Je suis fatigué. J'ai dormi 4 heures cette nuit. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais... Imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. Ouais, j'imagine qu'il pourrait être utile. Hein. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le cas au oh, passé. Je vais être en... Je vais rire pour rien pour cette vidéo parce que je suis au bout du rouleau. Bon légumes si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent. Chiendent. C'est une plante dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, non, on devrait probablement mais retourner. Je fais classe. Des efforts. Prends allez. On se voit en classe. Allons-y. Allons-y, retourner voir l'autre folle là. C'est vraiment c'est un beau jeu. Hein. Moi j'aime faire des rencontres. Quel plaisir! Oh putain. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants. Attends, je pouvais le prendre ça? Ah non, 6035. Désolé pour vous, monsieur Clopton. Monsieur Clopton. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère un peu violente. Que vous n'avez pas eu trop de mal. Everybody was kung fu fighting. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. C'est une belle tannée, effectivement. Oh, non, mais je vais la vexer si je dis ça. Mais c'est vrai, hein. Merci, professeur, mais je n'ai pas spécialement envie de m'occuper de plantes. Tiens, qu'est-ce que tu répondras à ça? Que les fruits récoltés en valent la peine. Comme on dit en botanique, soignez vos plantes. En botanique, soigneront. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Totalement siphonné, ça là. J'espère que ces je peux parler à tout le monde là. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'emmerder? Absolument pas. Allez. Bon, du coup, ça vous dit, on va voir Natsaionai. Oh, c'est le seul saut que je peux faire du jeu, c'est incroyable. Dans le. Je sais pas où là. Comment on fait pour les cartes du monde? C'est où? Là. Oh, mais c'est une des quêtes principales en plus. La fille d'Ouagadou. La fille d'Ouagadou. D'accord. Ça ? La suit ? Voilà. Et on y va à pied, hein. On est là pour s'emmerder. Allons-y, let's go ! C'est parti, les amis ! Nous allons les trouver, les gens qui vont nous emmerder ! Où allons-nous se taper des vieux dialogues ? Où allons-nous se taper des morceaux de dialogue ? Là. Là ! Pourquoi il y avait un bruit de... C'est toi ? Toi, plante ? Dommage. Je pensais qu'elle se révoltait. Oh ! Il est en train de niquer sa mère ! Attends, je vais très paro. Mais c'est qui ce fou furieux ? Attends, je réorganise mes sorts. Et là, je fais réparo. Attends, lui. Mais tu l'as cassé, espèce de grand fou, je peux rien faire. Putain. J'ai pas fait, j'aurais dû me bouffer les couilles. Hop là. Incendie. Bon bah, crève. Brûle. Allez, nous partons vers la verdure, la nature. La nature, les yaourts nature. Pourquoi il a des livres au-dessus de la tête? Ça veut dire qu'il a l'esprit encombré? Il a des pensées, des idées noires? Pourquoi le chemin il est possédé là? Vous voyez la carte?
Allez, cours. Cours, cours! Mais pourquoi tu cours? Moi, je cours parce que tu cours. Et toi, pourquoi tu cours? Moi, je cours parce que tu cours toi aussi. On va qu'elle s'arrête en même temps, là. Oh, oui, j'ai pas confiance. Voilà, il y a des poudres et des cheminées. Ah, mais attends, mais c'est la maison de... Hagrid! C'est fermé, putain. Non, il est où Hagrid en vrai? Je connais pas trop la géographie poudlardienne. Oh, c'est stylé en vrai. Oh, vous l'avez vu, hein, il s'est pas fiché tout de suite en haut à gauche. Hein. Non, regarde, en vrai, c'est classe. Ah ouais. Petit ponton là. Putain, voyage. Hein. C'est beau, ouais. Le château de Chambord. Bon, allez. Ah oui, il y a ça. Ça, on peut prendre ça, là. Pour l'instant, je sais pas à quoi ça sert, mais je ramasse. Hein. La dernière fois aussi, quand je jouais tout seul, j'ai rencontré des loups. Bon, je les ai pas approchés. Je me suis dit que j'allais garder la surprise pour la vidéo, hein, si j'y revoyais. Mais voilà. C'était des loups, quoi. Ma meute de 2 loups. Devenue une meute de 4 loups. Avant, j'étais seul dans la meute. J'étais une meute composée d'un seul loup. Je suis sur le bon chemin au moins. Briser le mur, ça ne me fait pas peur. J'ai l'habitude d'y croire encore et en cœur. Mais toujours le poing levé. Ça c'est quoi? C'est du conifère ça. C'est du sapin. C'est bien ça, c'est résistant, ça brûle bien. Comment ça je l'ai ici? J'y suis déjà passé là? C'est pas, y a pas un délire de perception avec ce pont là? Genre il bouge ou il fait croire qu'il est long mais en fait pas du tout. Ou l'inverse, je sais pas. Une connerie quoi. Vous entendez une petite musique en tension qui commence à arriver là? Ah bah c'est ça là, Hutte d'Hagrid, non? Pas ça? Attends, faut que je me remémore. Dans le prisonnier d'Azkaban, ils sortent du truc, ils sont en hauteur, ils voient le truc. Le... Hein? C'est chez Hagrid ça, non? Les vieux. Je peux pas. Poulet! Ah oui, voilà. Vol poulet. Axio. Axio poule. La poule. Il y avait un truc là. Réveillon. Ah. Quand je suis rentré, il y avait pas un truc au sol? Ah non. J'ai quoi à faire d'autre ici? Ah si, bah voilà. Outil de gardien. Mais c'est pas un truc comme ça, la cabane, enfin la hutte d'Hagrid là, sa caravane quoi. La caravane d'Hagrid. Ça m'intrigue. De quoi? Y a un truc sur la map là, c'est quoi? Y a une grotte? Y a un truc rouge, c'est quoi? Un fangieux tourbeux. Les vieux sont... Ça veut dire quoi? Il vient de Tourbe? De Tarbes? Incendio. Action. Ah ouais, il se chope pas comme ça le poisson. Si je l'approche, il va me niquer. Comment il est dans la vie, hein. On peut parler avec lui ou pas? Tiens! Alors Magikarp, qu'est-ce qu'on fait là? Oh. Ça fait quoi d'être une Vicos? Eh, dommage, hein. T'as de la chance qu'Incendio il a aucune portée, sinon je t'aurais vraiment cramé le fiac là. Petite sardine. Ramasse. Pourquoi il fait une nage indienne? T'as peur de te mouiller les cheveux? Une langue de fangieux. Bah je prends. Ah mais c'est juste là. Attends mais là ça m'intrigue, y a un truc là. C'est quoi ça? Des jus de saint-insul. Hmm. Des
petit bruitage là, toujours un bonheur. C'est juste de Orglup. Auguste, c'est Orglup. Quoi ça? Incendio. Il dit pas c'est le feu? C'est dessiné des flammes dessus, non? Flamme Nudun. Levioso. Action. Lumos. Il me reste combien de sorts là? Je pense qu'on va pas s'acharner. Hein. Bon bah. Ah mais faut le déplacer là en fait! Bah si, bah avec Action. Pourquoi je peux pas? Il est comme protégé par un sort. Je peux pas juste le prendre avec mes bras, le poser là en fait? J'ai une baguette mais par contre j'ai pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Non mais là il y a un trou là. Ah mais c'est... Faut poser quelque chose là-dedans, quoi. Bon, allez voir Misonai. Hop là. Putain, je vais être full stuff de jus de sangsue, là. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Oh, stylé. Et là, ils ont bossé l'animation. Hein. Par contre, on peut pas sauter par-dessus une rambarde. Mais bon, on va pas revenir sur le sujet, hein. C'est pas le débat, hein. C'est pas le débat. Ouais, lui, il veut quoi, le gars au bout du ponton? Je te demandais ton aide. Ah, c'est une femme, pardon. Bonjour, je peux t'aider? Oh, juste ciel, oui. Salut, Grace. Je m'appelle Grace Pinch-Smedley. Tu sais, t'es pas simple comme nom, Smedley hein. De basse. J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Non. On peut aller sous l'eau, vraiment? Vas-y, vas-y. On est là pour explorer. Ce serait une aventure épique. Dis-moi plus. Merveilleux. C'est exactement la réponse que j'espérais. J'ai vu. As-tu besoin d'aide pour le retrouver? J'ai vu Harry Potter la coupe de feu. Mon grand-père qui se prenait pour. Faut que je mette un truc dans ma bouche et puis il faut croire. Je respire sous l'eau. Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Ils ne sont jamais revenus. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. Oh là là. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Est-ce qu'ils jouaient du Jokeri près du canal? Si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Mais il est vivant, ton père, ou pas? Je devrais connaître ta famille. Non. Ah, vas-y. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de Basse. Ta famille serait célèbre? Ce sont des rapins, des gros rapiens, des pinces. L'herbe est verte. Le nom Pinch Smedley. Les Pinch Smedley. Est synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Ça va, cela raconte trop, là. Je n'ai jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes, peut-être parce que vous n'êtes pas aussi fort que vous le dites, quoi. Ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Ça a l'air dangereux, surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur. Mais est-ce que c'est parce que je comprends? Je peux. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissant. C'est parce qu'en fait, il faut que j'aille plus loin dans l'histoire pour avoir un pouvoir qui me permettra de dire oui à sa quête, ou. Et bien sûr. Ou juste elle nous parle pour nous emmerder deux heures. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire. Ouais. Non, je passe. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres. À quel moment je t'ai demandé de continuer? J'espère, dis-moi. Que tu trouveras l'astrolabe. Ouais. Cela représenterait tellement pour notre famille. Putain. Je dirais que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Ah si, mais du coup, elle est démarrée, là. Je vais la redémarrer. Pourquoi je suis allé dans l'eau? Oh, je me déteste, hein. J'aime bien rallonger le temps, moi. Je trouve que mes vidéos sont trop courtes à chaque fois. De te voir ici. Attends, je vais juste visiter ce truc avant. Ce guide du sorcier est bien pratique. Rebellio. Dis-moi que je peux rentrer, ouais. Allez, avance. Tenue d'élévarieur. Osef. D'accord. Ça, c'est dehors. Ça, c'est... Comment ça? Il est où, ce truc? Lumos. Pourquoi je le vois pas? Il est là, on est d'accord?
creuser dans la maison. C'est quoi cette embrouille là? Salut poulet. Mais là aussi c'est pareil, il y avait des trucs qui sont où? Voilà. Voilà, ça arrive en parnaque. Bah c'est trop mes amis les... Ce sont tes bêtes? Comment elles réagissent si je leur fous le feu au cul? Ah. Fais-moi la maline là, hein. Vieux bouc. L'œil de triton. Ah c'est le même que le mien. Mais en peut-être en mieux, j'en sais rien. Rebellio. Donc là, petit coffre. Ah c'est un... Non. J'ai cru que c'était un truc de baguette, mais peut-être pas. Là c'est fermé. Là. Là aussi... Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce. Tant s'en faut. Presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Oh. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Il a une voix singulière. Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale. Mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, la violence entraîne la violence. Et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Oh. Vous êtes peintre? Vous avez dit en que bâtiment? Vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre? Ah oui, c'est ma passion. Aussi mais tu fais comment pour atteindre le chevalet? Paraître pour un gobelin. La majorité de ma famille no offense, travaille dans le métal ou à Gringotts. Tiens, je vais passer pour un. Je serais prêt à parier pour un raciste des nains. Que les fidèles de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, bon, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau? Ouais, ouais. Je vais essayer de retrouver votre chat. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici. Bah alors pourquoi tu me dis tout ça? J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si... Ouais. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Il y avait une voix... Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Arne. Même si les circonstances auraient Arnold. Pu être meilleures. Oh, un marchand. Tu peux lui vendre de mes trucs de merde, là? Jalal Semi. Bonjour, monsieur. Que vendez-vous ici? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Que vendez-vous? Qu'avez-vous à vendre? Je ne vends que des potions et leurs ingrédients. Okay. Mes ingrédients sont locaux et je... Ok. Quelles sont les rumeurs du moment? Y a-t-il des rumeurs qui circulent? Un gobelin du nom de Pergit cause des problèmes dans le coin. Sa bande attaque les marchands itinérants et les affaires en pâtissent. Ce serait les affaires en pâtissent. Que quelqu'un s'occupe de son cas. Mais personne n'ose s'en prendre à une bande de gobelins. Pourquoi? Cela signifie qu'il peut faire ce que bon lui semble dans les ruines de Coro. Pourquoi on s'attaque pas aux gobelins? Gobelins? Que proposez-vous à la vente? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Alors... Ça, c'est ce que je peux vendre, ah non, ce que je peux acheter. Potion Edurus, une potion qui augmente la défense de celui qui la boit. Ok. Qui permet d'accroître les dégâts infligés. Restaure un peu de sang. Ouais, ça je connais. Je peux te vendre tes trucs là? Comme ça, faut que je les mette. Comme ça, c'est extraordinaire. Je vais vendre ça. Iront ça. Je n'aurai aucun mal à prendre. Je sais pas si. Il me dit pas ce que j'ai sur moi en fait. Vas-y, le calot de nuit rustique, on dégage. Hein. Cap de lèvres raffinées de bonne facture, ça dégage. Dégâts en duel précis, ça dégage. Mitaine noire, ça dégage. Ça, du coup, il faudrait que je le mette. Oh, celui-là en mosaïque bleu, il va être incroyable. Vous êtes prêts? On va mettre ça tout de suite. J'espère vous revoir bientôt. Oui. Oh, il y a des méchets. Revelio. C'est quoi les trucs rouges là sur le plan? Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts,
Je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à... Des nanéniers. Des tireuses. Alors ? Fais-moi le malin, hein ? Ouais, la chier ! Y'a du loot ? Oh, y'a un truc sur le plan, là ! Vous voyez ? Comme un labyrinthe. Une énigme. C'est cette merde, là ? Oh là, c'est long, faut lire. Je sais pas faire, moi. Peu de sorciers retracer l'histoire des labyrinthes d'Écosse jusqu'à leur véritable origine. Un sorcier du 15e siècle appelé Eunon Blackwood, né Eunon Wood, nom magique de la famille. C'est un moldu. Eunon n'était pas compris par ses parents moldus et dans un effort pour s'intégrer, il se lança dans l'affaire familiale, la taille de haie. Alors je te hais. Il pouvait, dit-on, contrôler les prunelliers par la force de l'esprit, créant ainsi facilement de superbes motifs qui ne manquèrent pas d'impressionner. Oh, c'est d'or, moins d'argent. Et d'enrager son intolérante famille. Le ressentiment grandit encore lorsque le jeune honneur reçut son invitation pour Poudlard. Où il rejouait la maison Poussoufle. C'est à Poudlard que Nord rencontra Artemisia Black, déshérité par la famille Black après les ébats de sa mère avec la père. Oh, des histoires de cul. Hein. Le rapport de cette dernière, la pureté du sang était complexe et se considérait comme digne du nom de jeune fille de sa mère reprochée à son père leur déchéance. Curieusement, elle ne condamnait pas Wood pour son ascendance moldue, mais elle considérait lui aussi comme des victimes innocentes de l'impureté des moldus. Voilà. Vous êtes content, on a perdu une minute. Ah, la musique est mignonne, hein. Va-t'en ! Voilà. Tu as empiété le passage. Attends, là, il y a un truc, là. Rébellion. C'est quoi ? C'est une araignée. Suivez les araignées. Hop là. Incendio. Vas-y, mais Incendio lui la gueule, là. Voilà, et là, je te crame le cul, là. Hop là. Oh là 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 là. En vrai, ça... Oh, le cri horrible. Même lui, c'est un bâtard avec les araignées. Alors qu'en vrai, moi, j'ai eu trop de peine de... Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. En vrai, c'est touchant, non? Vous trouvez pas que c'est triste un peu quand on les bolos là? Ah, c'était ça, putain! Rébellion. Oh, le sac de patates! Estos patatos! Il y a une caisse là. Bon, bah, après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arne. Mais attendez, oui, je voulais faire ça. Mettre mon superbe équipement. C'est où? Là. Donc ça, j'ai pas mieux. C'est les mêmes, mais mieux. Ça, y a pas. Oui. Là, on prend 35 piges dans la gueule. Oh, les manches de baguette. Ah, quoi que... Ça, il n'y a aucun intérêt à les mettre, en fait. C'est juste... Non, mais lui, j'aime bien. Et mignon, lui, il est mignon. Bon, faisons sa mission, là. Ah, quel plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Hollard. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Arlo sont à ta poursuite. Pour l'instant, bien, tout va bien. Façon. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Trop de flou. T'as vu un peu? Je n'en sais trop rien. Vas-y, je lui dis rien. Je ne connais pas Rockwood ni Arlo. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard?
Mais quoi qu'il en soit, de la jalousie, hein, de la pure jalousie. C'est vrai que j'arrive directement en cinquième année. Je suis en train de rétamer tous les élèves de l'école. Pour tout le monde. En plus de ça, je suis beau gosse. Tu m'appelles Enrico. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là. Qu'est-ce que je dois rajouter ? Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Rona ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Arlo, vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. C'est jeter Arlo. Tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Arlo que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Tant mieux. Rockwood et Arlo sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, pourtant, Rockwood, c'est pas le chaud. Arlo dirige les opérations. Ah non, le jeune Rockwood, il a des cheveux. En les limitant, il a même un chapeau. On pourrait paralyser son entreprise tout entier. Et un pote Leprechaun, enfin un Irlandais. Ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Arlo. Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai comme entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Arlo. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Arlo prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, c'est un peu robot quand il parle. Je suis là si tu as besoin. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. Sois c'est lent, ça manque de vie, c'est... Franchement, Quoi, c'est qui ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Vas-y, vas-y, on y va. On va voir Nora. Si vous êtes ici pour le marché. Oui, bah oui. Comment osez-vous me menacer ? Jeune pédant. Et dis-moi, il y a un petit duel là. Qui, selon toi ? Je suis occupé avec mes recherches. Ils ont mis leur masque Covid. Je n'ai pas le temps. Enfin, Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood. J'ai tout donné sur sa voix. Un élève, tu n'es pas certain. Putain, mais c'est Indiana Jones. C'est toi. Laissez-la tranquille. Allez. Et boum. Alors. C'est ça de charger pendant 10 ans. Oh, viens là. Voilà. Allez, crève. C'est encore de mèche, hein. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Mais putain, mais c'est le gang des mauvais doubleurs. Attends, un nouveau type d'ennemi a été ajouté. Oui. Ah merde, fallait esquiver ça, c'était rouge. Putain, là, on voit des vrais sorts. Oh non, attends, ah, c'est ça. Tu ne dois pas être très expulsant. Tiens. Non, rond, mais rond. Je suis mort. Attends, soigner. Hop là, je fais tout en même temps, moi. De quoi il parle, lui ? Tu veux quoi ? Tiens ! Trop peur de riposter, il m'a dit. Nulos ! Tiens, viens là. Hop là ! Je t'incendie au la gueule. Merci les pompiers de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? Je n'avais jamais été agressé de la sorte. Et si près de Poudlard ? Bah oui, hein ? Enfin ! T'es sur une quête, là ? Tu te fais attaquer par des serpents, poursuivre par une boule, Indiana ? Est-ce que ça va ? Oui. Grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Je me présente. Pourquoi je m'appelle Enrico. Était-il prêt à je prends bien soin de ma baguette. Pour vous attraper. Des serpents cendres ? Et de mon La style. Petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Mm-hmm. Il s'intéresse à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Qui est Priya ? Vous avez parlé d'une certaine Priya ? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves.
D'accord. Une pouf-souffle pure et dure, potionniste de génie. Comme moi. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. Moi aussi, je suis pouf-souffle. C'est une marchande itinérante. Mais je suis pouf-souffle. Ce qui se passe dans les Highlands. Je suis loyal, je suis pouf-souffle. Vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service. Historienne et archéologue. Ça me fait penser à une petite anecdote. De Merlin. J'étais avec celui que vous connaissez pour, avec le nom de Yves Kelvy aujourd'hui. Et il y a. Je pensais que c'était un mythe. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Merlin, de la légende du roi. Et en fait, il y a une démarcheuse qui m'appelle. Donc je réponds. Elle me dit ouais, vous êtes intéressé par SFR, tout ça, machin. Et je lui ai dit non. Enfin, ces piliers couverts de végétation. En gros, je lui ai dit bon, je m'en fous. Pourquoi tu me demandes de les appeler. Et j'ai fait SFR jamais. Et je lui ai dit je suis fidèle. Pour je veux vivre avec des blousons. Qui adorait les puzzles, non, les énigmes. Putain, mais tu parles encore longtemps, Nadine, là. Ça semble fastidieux. C'est fastidieux. C'est. Je ne vois pas quel intérêt peuvent avoir de vieux piliers couverts de lierre. Tout ce qui a trait à Merlin mérite d'être étudié. Et donc, je lui ai dit, je suis fidèle, je suis un pouf-souffle. Enfin, il a dit, je suis pouf-souffle. Je le pensais très fort, mais il a dit, il est pouf-souffle, il ne peut pas. Je crois avoir fait une voilà, j'ai majeure. Si mal vendu l'anecdote, alors qu'en vrai, c'était marrant sur le coup. La mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. Vous me direz hein, ce qu'elle a raconté, parce que alors moi, j'ai rien suivi. Omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie... Quand Merlin, j'ai été si grossièrement interrompu. Avec un grand nez pointu. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles. Précisément. Oh là là. Voulez-vous bien vous en charger? Trop d'infos. Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. D'accord. Mais la mauve douce, c'est quoi? J'ai pas compris. C'est genre, c'est leur verveine, quoi. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement. Putain, mais même pour ça, il faut écouter un dialogue de mort, quoi. Hein. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers, là. Ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Je fais comment pour viser? Là, je peux faire ça. C'est raté. Non, mais reviens, reviens. Attends, craque. Ah, je peux pas la choper. La vie de ma mère, la vie de ma mère. J'en fais quoi de ça? Putain. Utilise. Ah, mais il fallait juste faire ça. Putain. Vous avez vu? Les plantes ont disparu. Et à quel moment t'as vu des plantes? Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en Ah mais du coup c'est le truc que j'ai vu tout à l'heure ou ça a rien à voir. À quoi servent ces bûchers? Les bûchers. Faut les incendio leur gueule. Là. Ah oui. Les flammes font sombrer le bûcher. Ah c'est beau hein. Sable mouvant là. Y a rien de magique là dedans. Hein. Ouais là peut-être un petit peu quand même. C'est curieux, les bûchers ont retrouvé leur aspect initial. Ah mais faut tous leur foutre le faux au cul là. Il est où le quatrième? Ah mais d'accord, j'avais pas compris, moi j'attendais comme un blaireau. Incendio. Cours. Là, un effort, par pitié. Ah, on avait trois, on est d'accord. Oh. Oh, un hôtel de mariage! C'est magnifique! C'est qui? C'est Jean-Luc Mélenchon? C'est qui le truc en hologramme là? Putain, le pouvoir de Jean-Luc Mélenchon. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet! Mais j'ai pourtant, je m'y connais pas trop en carte, hein, mais. Qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? C'est ce que j'appelle un bingo! Comment cela fonctionne-t-il? Juste je dois me replonger bingo. Dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et son tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera ça sert à quoi, sûrement après, en fait l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard.
Je dois y aller. J'ai été rencontrée. Je suis tout excité d'avoir fait brûler des bûchers. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver la fervente de Méluche. Pourquoi elle parle toute seule encore? Niveau 12. Oh putain, 260 XP pour cette merde. Oh, encore des ennemis là. Venez, on va les bolosses. Ce qu'a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Har. Alors, et toi, tu fais quoi, toi? Tiens. Voilà, je t'éclate. Ah, ils ont pas fait le point à qui c'est attendre. Là, il y a quoi dans ce quartier là? Pom 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 pom. Gezès, suivez les lanternes. Vous mèneront à votre perte. Oh, le grouillac. Revelio. Jus d'orgue. C'est quoi ça? Je fais quoi de ça? Action. Action. Là, ça m'a ouvert quoi? Revelio. C'est là, c'est l'entrée, mais c'est où? Par où faut que je passe? C'est quoi ces trucs? Des chrysopes. Et... Qu'est-ce que tu racontes, mon beau? Oh, il est trop bien. C'est mon meilleur pote. Lumos. Tu as un peu de lumière? T'as un bouquin à lire, quelque chose? On se fait un barbecue? Moi j'ai pas de feu, hein. Ni de bouffe d'ailleurs. Tu me prêtes ta cuisse? Oh, il y a un fermier. Avec un enfant. Pour aller savoir ce qui s'est passé avant. Oh, mais il y a tout plein de yaks. Attends, mais là je fais. Action. Passe quoi après? Ça a ouvert une porte, non? Mais je devrais regarder ça de plus près. Où est la porte? Revelio. Where is the door? Par où je passe? Ramassons des feuillasses. Comment je fais? Bon, tant pis. Hein. Attendez, il y a un truc là encore. Il y a une page avec un point d'interrogation. Revelio. Faut faire quoi là? Ah là! Revelio. Oui, bah oui! Tentacules de Murlap! Les tentacules de Murlap sont un ingrédient de potion rare connu pour augmenter la résistance à certains sortilèges de magie noire. Ils possèdent également des propriétés curatives, cependant, les personnes qui en ingèrent trop voient les poils et leurs oreilles se teindre en violet. Les poils de leurs oreilles. Ouais. Oh, écoute, y'a pire en la vie. Hein. Un défi réussi. C'est réussi. Le plan me dit qu'il n'y a encore rien sur 150 mètres. Revelio. Le plan m'indique qu'il y a 2 minutes d'emmerde devant nous. Vous êtes partant? Bien sûr. Je sais très bien que je suis seul avec moi-même à ce moment-là. Une quatrième vidéo. Déjà que d'habitude, première vidéo d'une sortie, il n'y a pas full. Alors la quatrième vidéo, plus emmerdement, plus on est déjà à combien là? Une heure? Mais je l'ai... Hein? Oh, il m'attaque! Levioso! Incendio! Ah là, tu fais demi-tour, hein? Et ton pote il t'aide pas, hein. À part une langue, t'as quoi pour te battre? Leviosa, action. Vas-y. J'ai fait quoi? Ah non, j'ai trompé le bouton. Autant
Ouais. Ouais, vas-y, j'en ai marre. Et voilà. Autant l'araignée, ça me faisait presque de la peine de la bourriner, mais alors toi, t'as vraiment une gueule de cul. Hein. Et encore, un cul comme ça, ça doit pas être facile au quotidien. Hein. T'as une langue de fangeu. Fangeu. Juan Manuel Fangeu. Non, comment il s'appelait Fangeu. J'ai jamais su. Rebellion. Des chiens noirs. Mais c'est un intérêt de les buter eux aussi. Pour la blague. Vous avez trouvé. Ah oui. Voilà. Mais non, mais ils font rien, les pauvres. Je suis en train de les éclater alors qu'ils ont juste rien demandé. C'est horrible. Et la violence animale, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, heureusement que ça débloque des défis. Hein. En plus, ça te fait sentir coupable. Hein. Tu récupères les trucs et t'as un cri de loup désespéré. Rebellion. C'est tout? Y'a que ça dans cette bicoque là? Très beau costume. Insane. Désolé mec, mais ta fourrure va me servir. Et si on allait un petit peu après au lard là pour finir cette vidéo? Parce qu'on est déjà une heure. Voilà, on a vu à quoi ça ressemblait les Highlands. Non, après au lard. Qu'est-ce que je peux aller pic et pec? L'animalerie propose le meilleur sous-produit du moment. Vas-y, hein. Vas-y, faisons cela, hein. Préolard, me voilà. Ouais, il y a une ambiance de fou, là, j'y vais. Hein. Ah, mais j'y suis pas déjà venu, ici. C'est immonde. C'est censé faire vendre des bonbons, ça. Miam. Ah putain, il m'a jeté les vieux sauts, quoi. Il m'a eu. Rebellion. Mais grâce à ça, j'ai trouvé une page. Les fils Whizbiz. Ok. Comment ça? Mais reviens. Reviens, je viens à un paix. Une barbe à papa. Mais c'est quoi qui fait gling? Ouais. C'est impressionnant. Par contre, je suis dans ce magasin tout seul. Ça ne questionne que moi. Ça fait quoi? Bah, c'est super. Rebellion. Ah bah si, y'a un mec là. Alors, dis-moi que t'es mieux payé la nuit. Pourquoi ils ont bloqué Bon. Un ananas. Ah. Du Gatal. Pierre Gatal. Bon bah c'est un peu décevant quand même. Attends, là y'a quoi? Bah moi je suis pas venu pour rien, hein. On se fait rincer gratos. Hein. Regarde ça. Mais là il y a encore à bouffer là. Hop là. Voilà. Je suis diabétique. Merci à tous. Du coup je voulais visiter quoi moi? Le truc où il a dit les animaux. La tenue de Bordeaux. Maintenant qu'ils sont en Ligue 2, je sais pas si je vais la mettre. Hein. Bonsoir madame. Et en fait, je suis venu de nuit et ils prennent tous des notes. Rébellion. C'est le soir de l'inventaire, fallait que ça tombe cette nuit-là. Vous voyez, magique. De bien belles infos, hein.
Putain, j'ai tout récupéré de Préolard. Je suis une machine. Ça, je l'ai fait en off. Je suis venu me balader à Préolard et j'ai fait du Axio sur toutes les pages qui se baladaient. Hein. C'est quoi ce petit chemin? Ah! Attends, mais c'est là où j'étais. Bienvenue. Entrez et n'hésitez pas. Ah oui, non, c'est le mec du. Mais ne touchez à rien si vous avez les mains sales. Ouais. Augustus Hill. Augustus Hill. Augustus Hill. Surtout, ne fais pas tomber ces piles. C'était où là? Ça, c'est quoi ça? Je connais pas. CRR. Putain, mais c'est de là d'où je viens. Yo, bête! Là. Ça, je ne connais pas. Eh ben, c'est fermé. C'est peut-être pour ça que je connais pas. Et si je fais le tour? Là, il y a un truc là. Révélio. Ça, faut vraiment que j'apprenne le Axio. Hein. Axio patronum. Impressionnant. Pousse ça. Est-ce que c'était une bonne idée de venir Préolard? Non. Oh, bonjour. Quel style aimeriez-vous arborer aujourd'hui? T'es qui, toi? Bonjour. Oh, entrez. Bienvenue chez Sorcière. Ah oui, le sorcière coiffure. Madame Snelling. Vous avez sûrement déjà entendu parler de moi. On m'appelait Snelly. Oh, Snelly. Pourquoi n'essayes-tu pas de devenir Aurore? Alors, qui rigole maintenant? Ils prennent tous la poussière au ministère, pendant que moi... J'ai pas la rêve du tout. Hein. Je vis mon rêve. Mais regardez-vous. Oh là là, regardez-vous. Je comprends pourquoi vous avez décidé de venir. Oui, ben ça va. Alors, c'est comme ça que tu t'accueilles tes clients, toi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'aviez-vous en tête? Certains souhaitent avoir l'air d'un moldu sur son lit de mort, pour un style gothique, vous voyez? Et vous ne trouverez pas de poison ici. Nul besoin de chlorure de chaux ou d'ammoniaque. Ouais, bon, pourquoi ne pas prendre un moment pour décider? Oui, de... oui. Que proposez-vous? Quel service proposez? Ça va être toutes les coupes du début du jeu ou il y en a des autres? Je peux me rajouter une cicatrice. C'est-à-dire que t'es tranquille, normal, t'as une peau très propre et elle va te balafrer la tronche pour dire bah voilà, nouvelle cicatrice, content? Ah, vraiment, quelle honte. Est-ce que ce serait pas mon style? Je pense que c'est bien. Alors, je confirme. Quoi, je dois payer 20 pièces d'or pour ça? Prenez bien soin de vous. J'espère vous revoir bientôt. Ah bah oui. Bah là, on parle. Ok, au moins, on sera pas venu ici pour rien, YouTube. Attends, je fais une dernière petite mission, et puis on se quitte là. Mais déjà, je pense que t'es satisfait, quoi. On avait fait les mandragores au début. Donc à partir de là, ça pouvait être qu'une bonne vidéo. Non, comment on fait? Je vais me TP, j'ai toujours du mal avec ces trucs. Hein. Le hall central. Allons à la gare. Donc. Putain, la musique a changé. C'est fou. Il suffisait de gueuler un bon coup et ils m'ont écouté. C'est la dernière. Il ne devrait pas y avoir. Enfin, j'aurais dû prendre cette poudre de cheminette là. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Oh, les cours de potions, j'ai jamais fait. Oh, trop bien, trop bien. C'est le truc qu'il faisait Rock dans le film. La démarche. Matt, la les démarche comme McGregor. Une des matières les plus difficiles et dangereuses. Ah, mais c'est lui, c'est Sharp. En tant que cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Elle est trop connue, cette voix française. C'est celui qui fait Robert Downey Jr. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wigan Weld. Je suis Iron Man. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wigan Weld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures. Ouais, parce que toi t'es estropié, donc t'en sais quelque chose, hein. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra Il a trop vécu en Bretagne. Sa propre potion Wigan Weld. On soigne les Bretons vous ici. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir. On soigne des Bretons sur cette chaîne. Veuillez procéder. Oh,
force de boire de la potion aussi. Hein. Tiens plus debout. Vous devez broyer les ingrédients. Ah oui, c'est moi. Putain, je me suis pas reconnu avec mon style de fou. Moi, ça, ça me fait penser à Potion Craft. J'ai jamais fait de jeu sur cette chaîne, du coup, c'est dommage. Tu vois pas de quoi je parle en fait. Allez, Panoramic Simulator. Oh, un petit futur là. Il m'a mis si bien. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Oui. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et j'ai fait quoi comme potion ? Les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. J'aime bien parce qu'en fait, je suis en cinquième année, je suis censé être un gars qui connaît rien à rien. Bien. Et je first try tout ce qu'il y a dans l'école. Dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera. J'accuse vraiment tous les autres élèves, quoi. Même les professeurs. Peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Oh non, je vais devoir retrouver la folle là. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez de l'audace. Quand vous aurez terminé votre potion. Vous les fans d'or. Nous verrons si votre premier succès est dû au audacieux. Talent ou à la chance. En vrai, j'ai mis la loyauté, mais je suis avant tout audacieux. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année après des rumeurs sur une révolte de gobelins. C'est qui parle ? Récupérer des œufs de serpent cendre. Ou qu'est-ce ? Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer c'est un Weasley. Ils sont combien les Weasley? Ouais, t'as bien entendu. C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait. Génial. Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Je m'appelle Garrett, d'ailleurs. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. Ça y est, c'est un plaisir. Tout le monde se la règle dans cette école. Que le professeur et à chaque fois, moi, je les défonce alors que c'est mon premier jour. Si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Mais c'est pour faire quoi en fait ? Ah, c'est une bonne idée, hein. Je ne sais pas, Garrett. Je ne voudrais pas avoir d'ennuis avec Sharp. Tu ne risques rien. Imagine, il me court après. C'est foutu. Les plumes de faucifères ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. Mais écoute, j'ai déjà fort à je te prends pas ta plume et j'ai envie de dire, faucifères, hein. Je crains de ne pas. N'insiste pas. Je comprends. Je trouverai une autre solution. Ouais, fais ça. C'est bien. Allez, casse-toi. Oh. Mais pourquoi il me faut des fourrures de... J'en ai tabassé plein des chiens. Ah oui, j'avais trouvé ça aussi. Ouais, super. Faut lire, quoi. J'ai déjà bien assez lu dans cette vidéo. Ah, mais du coup, je l'ai prise. Ah merde. Bon, bah, tant pis. Attends, mais il est où Bah, tiens, viens. C'est pas lui? C'est pas lui? Non, je confonds les roues, pardon. Garrett, rebonjour. Voici ta plume de vocifère. Je savais que tu changerais d'avis. Oh. Formidable. Je suis si prévisible. Alors en fait, c'est juste que j'étais sale, j'ai vu du loot, je l'ai pris. Je te dirai ça n'a rien à voir avec toi, Garrett. Mais maintenant que j'ai pris les plumes de faucifère, je préfère que ce soit toi qui se fasse engueuler. Ou le broyer. Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. Bah ça, j'imagine. Une potion et du russe. Et après, je fais quoi? Ah, juste j'attends. Maintenant, d'accord. On ajoute la mauve douce et... Le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était Aurore. Mais c'est quoi, Aurore? Putain, mais il parle trop pour rien dire, mais... Quand il y a des trucs nouveaux, moi, il m'explique pas. Et voilà.
Désolé, professeur. Le professeur Sharp dit que la potion Wiganweld peut guérir les blessures. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice. Attention, votre là. Table de potion... Ah merde. Ah mais moi je voulais pas... C'est moi, professeur. J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Ça va, on n'a plus le droit de rigoler. Je savais pas, j'ai pris des plumes d'oiseaux, là. Je savais pas que c'était... déjà, je savais pas que c'était des plumes. Je suis désolé. Désolé, je connais pas le jeu, c'est mon premier cours ici. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. Qui c'est le plus fort, évidemment, c'est les verts. J'ai des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé en ce moment, mais... alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Elle est pas parfaite, ma coupe de cheveux, là. Et ça sort des oreilles, même. Améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. C'est-à-dire... Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles. Mais il me remet une couche avec les plus nouveautés. À tous les coups, il est en train de se taper la prof de psychologie magazine. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Un chaudron chaud. S'il s'appelle chaudron. Je pense que nous avons eu assez d'animation. Peut-être parce qu'il est chaud. Voilà. Bon, on a fait quasi tous les cours, là, non? Quoique non, il reste les trucs de métamorphose et tout, là. Niveau 13. Alléluia, mes frères. Bon. C'était cela. De quoi il parle? Et là, j'ai pas d'autres vraies missions? Un portrait de notre salle commune veut te parler. Celui d'Eldritch Diggory. Je crois qu'il était ministre de la magie. Diggory. Rébellion. Il y a un Rébellio là? Non. Non, ça fait Gling. Vas-y, voyons Monsieur Diggory. J'y suis déjà passé là? Oh putain, impressionnant. Ah ouais. Ce scène tout petit, hein. Ça, c'est stylé, en vrai. Oh non, je voulais avoir une vue magnifique. Le jeu me fait pas profiter de ça. D'accord. Ah, c'est beau. Hein. C'est beau. Action. Tiens. Et tourne dans le vent. Réparo. Quand c'est KO. Réparo. C'est pas ça. Alors ? C'est toujours pas ça, ça a rien d'insister. Bon, j'ai quoi d'autre? Je te lève au sol. Action. Je t'actionne. Lumos. Je te lumos. Incendio. Ah bah c'était ça. Bon bah voilà. Attends quoi? Je suis censé voir quoi là? 1, 2, ah non, 4. 1. 1. 2. 3, 4. C'est d'une énigme. Attends, là en bas, il y a 4 trucs. Là, il y a 2 ronds. C'est une coloscopie. Coloscopie avec une... ok. Là, c'est le logo de l'essieur. Okay. C'est tout? Ah si, là. La... Action. Non, ça. Incendio. Là, c'est c'est la pyramide du Louvre qui fait de l'acupuncture. Et là... Là, je dirais que c'est... Alors, c'est la pyramide du Louvre... Pardon. C'est la pyramide du Louvre qui se fait coloscoper, du coup. Parce qu'il y a le rond... Du coup, quelle est la logique dans tout ça? 1. Ah, c'est-à-dire que c'est une expérience. Et faut mettre l'ordre de l'expérience? Non.
Mais celui-là, il a rien à voir avec les autres. Allez, c'est pas ça. Attends, mais ça, du coup, c'est quoi? C'est le 1. Lui, ce serait le 4. Lui, le 2, peut-être. Non. Putain, faut faire quoi? Ou alors le 3, et dans ce cas, lui, le 2. Ah, mais j'étais déjà sur le 2. Non, c'est parce que lui, c'était le 3, en fait. Attends, on revient sur le 2. Il va me le dire si je trouve un jour ou pas. Vous comprenez quelque chose? Non, parce que là, on sent bien qu'il a des épines qui sortent. Il en a 6. Est-ce que c'est encore un problème de maths? Ou là, c'est... Mais oui, là, il se fait perforer le fion, là. Par le rond... Attends, mais non, là-bas, c'est un carré, ça fait 4 trucs. Je suis censé comprendre quoi? En plus, faut que je parle au portrait d'Eldritch. Eldritch! Bloqué. Ouais. Comprendre d'Alque. Ah, ou alors. À la base, il y avait un carré. Mais en fait, il a été séparé en 4 morceaux à parts égales. Du coup. Du coup, l'anus perforé fait son entrée. Et là... Ah bah non. Et là, c'est des triangles. Eh ben... hein? Je pense qu'un jour, j'aurai des indices pour ça. Mais j'étais sans doute sur la bonne voie. Il y a un truc là. Il y a un Rebellio, non? Même pas. Et des couillolettes. Quel plaisir de vous revoir. Cours du viaduc. Elle a compris que il y avait un froid qui s'était installé entre nous parce que ces phrases sont de plus en plus courtes. Putain, mais je suis pas au bon endroit. Vous restez éveillé un peu, ouvre les yeux, hein. Oh, ça c'est en. Ah non. Réveillio. Qu'est-ce qu'elle fait, hein? Tu te bats contre qui? Qu'est-ce qu'il fout? Lumos. Revelio. Elle fait quoi? Ouais, des livres qui volent. Je peux... Action. Je peux les... Non. Bon. La lecture peut être tout aussi magique... Mais encore là, elle! Attends, va-t'en! Ne le voit-il pas? Y'a pas un truc qui volait, là? Non. J'ai rien dit. Je me suis enfermé. Ah non. Télélite. Oui, il applaudit qui, lui? Il est 20h? Il est 20h? Il faut applaudir les infirmières? J'ai pas la ref. Bon, allons voir le portrait de Dorian Gray. Ah, mais c'est avec lui. C'est un cours intéressant. Gareth, tu m'as appelé? Gareth, tu m'as appelé? Oui. Tu m'as bien aidé avec cette plume de faucifère en cours de potion. De rien. Alors je pense que tu es la personne dont j'ai besoin. Un Weasley, du coup, j'aimerais tu vois. Créer une boisson inspirée des Fizz Whizbees. T'as une prof, t'as le temps qu'est prof. J'ai hâte de voir ce que tu vas concocter. Hein. Je ne sais pas comment tu trouves toutes ces idées. Il faut croire que j'ai un don. Bon. Je pense que l'ingrédient clé des Fizz Whizbees, hein. Ce sont les dards de Billywig Sechet. On va se... Apparemment, aussi faire parce que tout le jeu, ça va être comme ça. Mathilda m'a à l'œil. Elle préférerait que j'accorde plus d'attention aux cours de potions qu'à mes concoctions. Tu m'étonnes. J'espérais que tu pourrais emprunter un passage secret vers la cave de Honeduc et me récupérer des dards de Billywig Sechet. Mais même toi, tu parles lentement. Un passage secret, c'est mon domaine. On a toujours besoin d'un passage pour sortir rapidement du château. Magnifique, merci. Magnifique. Tu devrais savoir qu'il n'est pas très rapide. Il est surtout intéressant pour son côté secret. Le passage est caché derrière la statue d'une ici sorcière pauvre, dans le couloir du troisième étage. Touche-la avec ta baguette et dis Dissendium. T'es sûr? Ça va être hashtag balance ton port ensuite.
Quelqu'un ne pourrait pas aller te les acheter ? Tu ne peux pas envoyer quelqu'un t'acheter des dards de Billywig séchés ? Ah ouais ? Alors, le seul moyen d'y entrer en toute sécurité, c'est par là. Ah merde, je crois que j'ai passé un dialogue. Faut que j'y réfléchisse. Je vais voir ce que Allez, je passe. Très bien. Si tu réussis, ouais, ouais. Je pourrais peut-être convaincre Amit de m'aider. D'accord. Avec... Je dois rapporter ces dards de Billywig séchés à Garrett pour qu'il puisse finir sa dernière concoction. Le sablier des points de maison. Oh, attends. Statue de sorcière avec un sablier devrait être facile à trouver. Mais tout le monde est... Oh, ils en ont zéro. Mais tu es cringe. Hein. Mais eux aussi, ils en ont zéro. Donc, et de toute façon, à la fin, c'est Gryffondor qui va gagner, donc ils ont des points gratos. À Pouf Souffle, on a... Ça monte plus haut parce que c'est plus assemblé, tu vois. C'est un cake maison. Rebellion. Oh, il y a mes parts préférées. Alors 4. 4 et 2, 6, il me faut un 0. Voilà, la chouette. Et 5 et 1, 6, il me faut un 5. Un crabos. Putain, je bouge, ça donne un peu envie de gerber. Lou. Ah, ça se trouve, c'est là-dedans. Non. Et où ton énigme? J'avais pas déjà cherché une fois. C'est la statue que je cherche. Quelle statue? C'était quoi le mot de passe déjà? Revelio. Ah. C'était. Dissendium. Dissendium. Qui veut dire descendre. Juste ciel. Qui aurait cru qu'il y avait ça ici? Il y a quoi ici? Pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Un couloir. Un mont de charge. Tout ce qu'il y a de plus triste. Descendre par là, mais on est dans Fort Boyard. L'air cassé. Réparo. Et je l'ai pas sur ma main. Donc faut faire ça. Réparo. Je garde ou pas? Faut que je remette les fios. Ouais. On dirait que ça a marché. Effectivement. Jean-Michel, j'enfonce des portes ouvertes. Suis comme ça un lion, cage. Sortez-moi de là. S'il vous plaît. Je deviens un peu zinzin. Allez. Oh. Un petit peu d'ASMR ange de bois. Ce château ne cessera jamais de m'étonner. Et par contre, c'est fou comme les dialogues me paraissent longs et très peu instructifs, mais Insane. à chaque fois je sais pas vraiment ce que je dois faire en fait, en vérité. Tenue des spécialistes, de quoi je ne sais pas. Mais non, mais là, espèce de bouffe. Tu fais quoi avec ça? Un temps de chargement. Je suis coincé. Comment je vais sortir d'ici? Je suis coincé dans la toile emprisonnée. Insane. Oh, c'est normal ça. Et pourquoi elle crame pas celle-là? Brûlé. Ah mais là. Ah oui. Attends, et là du coup je faut que... Putain, et Levioso que j'ai pas remis, et bah c'est ce qu'il faut là évidemment. Putain, le jeu est pas cool avec ça. C'est tout? Ah c'est bon, ça suffit. Je dois trouver un moyen de traverser. Je crois que je me suis engagé dans un truc là. On n'a pas fini. On n'est pas rendu, hein. Bah là, je saute. Mais là-bas, il y a un coffre. Non. Insane. Mais putain, pas ça. Un effort. Voilà. Réparo, bah putain, super réparo.
Et ben on va mettre à la place du incendio, hein. Et tu vois que dans le prochain couloir, faudra allumer une torche de ces morts là pour aller à la suite du trajet. Oh, ça fait très mal se passer. Et ensuite, voilà. Voilà, voilà, là il faut incendio. Parce que la putain de tes grands morts. La putain de tes grands morts. Allez, décidément, on aime vivre dangereusement. Incendio. Là, Leviosa. Quelque chose bloque cette plateforme. Ah, quelque chose bloque encore cette. Encore un, et je pourrais traverser. Il bloque quoi? Qu'est-ce qui bloque la plateforme? Tu peux me le dire? Lumos. Leviosa. Tout à l'heure, j'y vais réparo, ça a pas marché. C'est pas ça? Faut remettre. Faut remettre réparo, c'est une blague? Alors que je l'ai fait juste avant en me disant, bah, de toute façon, ça servira plus. J'en peux plus. Lumos. J'en mets Lumos. Hein. Lumos, c'est le seul. Passe quoi? Je devrais peut-être utiliser Axio pour enlever ce portrait du passage. Je viens de le faire, et c'est moi! Ah, j'ai réussi. C'était pas de masse à faire. Hein. Je peux aller me baigner. Oh, trop bien! Le jeu te permet des choses des fois. Allez. Ce doit être la sortie. Je dois trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Incendio! 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 Allez, nulos. Une odeur de sucre. Je dois approcher de Honeduc. Ah non, là, là, là. J'ai failli rater le loot de une pièce d'or. Et voilà. J'ai mal au dos. C'est le raccourci. Plus accueillant que Préolar. Honeduc. Je sens le chocolat. Ah, il nous refait le coup de l'odeur. Bon. Où est-ce que je peux trouver des dards de Billywick séchés pour Garrett? C'est la réserve, quoi. Oh! Revelio! Revelio! Bon, avance. J'ai les dards de Billywick séchés. Je n'ai plus qu'à les remettre quoi, à Garrett. Fait quoi, je me demande ce que veut dire cette nouvelle concoction. Incendio! Je peux y aller là? Verrouillé. Hein? Ah, c'est verrouillé ou c'est pas verrouillé? À tous les coups. Si. Attends, mais je peux partir par où là? Je peux repartir par là? En mode je vous ai volé, mais tout va bien. Ça a l'air de se faire. Hein. Dis-moi que je peux me TP. Par pitié, je peux me TP. Parce que s'il faut refaire toute la route. Jusqu'à... Il y a que des gens seuls. Vous voyez pas qu'on on organise des speed dating là, un truc? Non. Quoique, est-ce que c'est pas l'occasion de se promener un petit peu? Quoique, non, c'était long, je l'avais fait avec Misonai. Le chat. Attends, Je vais remettre ça, parce que tous les coups, ça me... Oui, c'est vrai que j'avais ça aussi. J'en sers plus. Lumos. Alors. On va se taper. Ou de là. Sortie de quoi? Là la mission. Ah mais c'était une mission secondaire que j'ai fait là. On prendra le queue. Bah, je vais me mettre là. Et voilà, je fais une heure et demie. Je voulais faire une vidéo plus courte. Résultat, on a fait 12 missions qui servent à rien, là.
Revelio. Il y a un truc là. Voilà. Le chat en bois. Ah. Bah, c'est super. Bravo à toi. Moi, je suis sorcier de métal. Non, mais c'est du harcèlement là. Faut arrêter ça. Hein. Regarde-moi. Regarde-moi bien dans les yeux. Je te le dis une fois, je te le dirai pas deux. Tu laisses ton camarade tranquille parce qu'il fait son métier comme il faut, comme toi. Ok ? Alors arrête de le martyriser. La dernière fois, j'ai retrouvé en miettes. Tu trouves ça normal ? C'est un scandale ! Allez, voilà. On a perdu 45 secondes. Oh la chouette ! Ah non, mais je crois que j'y suis allé. Non ? Ouais, j'y étais allé la dernière fois. Bouge pas ! Voilà, enfermé à vie. Comment il s'appelle déjà ? C'est quoi son prénom ? Weasley ! Weasley ! Ok, je savais plus comment on mettait le bras devant pour pousser la porte. C'est ce qui m'a ralenti. Elle est smooth la musique. Par contre, je croyais que ça venait du record. Mais en fait, même dans mes oreilles, elle est pas... On dirait qu'il n'y a pas le bon bitrate. Ça sifflote un peu de temps en temps. C'est pas smooth. Bon. J'espère que ça vaut le coup. Hein. Garrett. Oh, bonjour. Tu as pu te rendre à Honeduc ? J'ai les dards. Je vais passer le dialogue hein, parce que. Bonjour, Garrett. Allez. Tu les as trouvés ? Oui. Incroyable. Contre des. Ah, ouais, je peux faire ça. Hein. Contre des dommages. Ça m'a demandé plus de travail que prévu. Bah, si, bien sûr. Je ne pensais pas que ce serait si difficile, mais je me ferai un plaisir. Merci encore. Je te dirai quand j'aurai terminé de préparer ma. Et du coup, c'est quoi ? Il va me payer avec ce qu'il a fait ? Là, je lui ai montré que j'étais pas n'importe quel blaireau. Hein. Je me fais pas arnaquer comme ça. Hein. Revelio. C'est Gandalf ? Ah non, c'est un architecte. Tout le monde est Gandalf ici. En même temps, c'est le pays de la magie. Fermé ? Est-ce qu'il y a le... Ah mais non, mais c'est là où j'étais tout à l'heure. Oh non, l'escalier. Mon grand ennemi. Bon ! Est-ce qu'il ne faudrait pas partir ? Au secours ! C'est passé quoi là ? Ah mais c'est le chat ! Salut chat. Bon, on se quitte là. À la prochaine YouTube. Quatrième vidéo. Ah, je suis déjà jamais allé aussi loin dans un jeu. Non si, Stray, je l'avais fini. Mais là c'est... C'est incroyable, hein. 4 vidéos sur le même jeu, c'est rare. Hein. Surtout pour avoir 2 vues, quoi. C'est un bel effort. Au revoir à tous. La personne qui a joué. Ah, mais il y a une ambiance de fou furieux ici. Laisse un pouce, c'était toujours vivant. Au revoir.